Bon, avant que je remette les roues, donc voilà les écopes pour les bois de refroidissement, une de chaque côté. Voilà ce que ça donne. En dessous, on voit les bois. Donc les écopes, tout simplement, une découpe ici, dans le bas de la lame. Le tour, les écopes, je les ai prises chez GT2i, recoupées en biais, et puis j'ai viré le contour, comme ça elles sont plus fines, prennent moins de place en hauteur. Les bois derrière, directement tenus avec des colliers. Une découpe ici, la pièce allait plus loin, elle allait jusque par là, donc une découpe pour faire passer le bois. Pareil ici, on avait une légère lèvres qui descendaient d'un centimètre, surtout sur jusque de l'autre côté du bois, donc pareil, découpé. Ensuite, juste quelques colliers. Un autre ici qui est pris sur le ski inférieur, et deux colliers qui sont pris directement sur le triangle. Et donc on amène le bois ici. Donc quand on tourne au maximum, ça donne quelque chose comme ça. Donc on a encore assez de place. Bon, quand on tourne au maximum dans l'autre sens, forcément on a un peu plus de liberté, le bois a un peu plus d'espace, mais bon, déjà ça va aider à refroidir un petit peu les disques. Donc voilà, un de chaque côté. Le bois, il y en a. Le bois plus les écopes, il y en a eu pour 86 euros, je crois. Et voilà, un petit peu de modification à faire. Mais ça passe nickel au final. Donc on voit, ça se voit à peine. Tip top, à peine plus bas que la lame. Donc ça ne devra pas gêner avec les suspensions plus basses. Et puis bah, ça fera un petit coup de pouce sur circuit.